La foire virtuelle, c'est une foire qui permet de mettre en contact des employeurs et des potentiels chercheurs d'emploi. Mais la différence entre la foire virtuelle du CEDEM Espace Emploi et les foires d'emploi traditionnelles, c'est que la foire virtuelle permet d'avoir des entrevues sur place. Les chercheurs d'emploi ont la chance d'avoir des entretiens d'embauche sur place. C'est un format de 10 minutes. Donc, un chercheur d'emploi pourrait rencontrer de 5 à 10 employeurs la journée du 24 mars, de 9h à 16h. Il pourra rencontrer 10 employeurs qui vont lui poser des questions sur son profil, sur ce qu'il peut apporter à l'emploi. Et il y a des chercheurs d'emploi qui auront même la chance d'être embauchés sur le coup. Donc, c'est vraiment une occasion pour les chercheurs d'emploi de venir parler d'avoir la chance de rencontrer un employeur avec une offre d'emploi active. L'emploi virtuel, espace emploi, c'est vraiment une bonne occasion pour les chercheurs d'emploi de se mettre en valeur. Parce que ce qui arrive souvent quand on a la recherche d'emploi, généralement pour les nouveaux arrivés, c'est qu'on n'a pas la chance d'avoir cette connexion avec l'employeur. On demande toujours une expérience canadienne ou on demande d'avoir un réseau, mais c'est vraiment ce réseau-là qu'on leur donne à travers l'espace emploi parce qu'ils pourront rencontrer les employeurs, ils pourront discuter avec eux, ils pourront parler de leur profil. Et puis la bonne chose aussi avec la foire d'emploi, c'est qu'on va mettre les chercheurs d'emploi en relation avec les employeurs, mais pour des offres qui correspondent à leur profil. Ça veut dire quoi? Si une personne est un comptable, elle aura la chance de rencontrer un employeur qui cherche un comptable. Donc ça ne va pas être vraiment fait de façon vrac où chacun vient essayer de trouver un emploi, mais c'est pertinent, ça donne la chance de faire un entretien dans ce qu'on fait, dans son domaine de compétences. Et puis la bonne chose aussi avec Espace Emploi, c'est qu'ils ne vont pas rencontrer juste un employeur, c'est plusieurs employeurs. Donc au moins 5 à 10 employeurs, c'est vraiment plus de chances de trouver un emploi. Ah, pour participer à la foire d'emploi, c'est d'aller sur notre site web cedem.com. Vous avez un lien là qui vous permet de vous inscrire. C'est vraiment facile, c'est rapide. Ou simplement appeler le 204-925-2321 et Julie Thérin se fera le plaisir de vous aider. Et puis le petit plus, c'est qu'on a beaucoup d'employés qui sont là. On a déjà l'inscription de près de 20 employeurs qui sont déjà prêts à vous rencontrer. Donc, je vous encourage à vous inscrire incessamment parce qu'il y a une période de préparation. On doit corriger votre CV, on doit le mettre dans le format canadien, comme on dit, pour vous donner plus de chances d'avoir un emploi. Donc, le plus tôt que vous inscrivez, le mieux que c'est parce que vous aurez la chance d'avoir votre CV corrigé et en français et en anglais. On donne aussi une session d'apprentissage sur l'entretien d'embauche. On va vous dire quelles sont les questions les plus posées durant l'entretien d'embauche et puis on va vous aider à comment répondre à ces questions-là de façon plus efficiente. Donc, je vous attends tous à la foire d'emploi.